se retrouve. Je suis MMC Melotor, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Jalopy. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu du Jalopy. Enfin, qu'on n'a pas vu. J'ai pas tourné plutôt du Jalopy. Manette, tu es là? Donc on y va. Donc c'est vrai que celui-là j'y jouais plutôt en... Ah, faut que je me mette en puberty. Ok, voilà. Nickel. Donc j'y jouais plutôt en... Essayer de raqueter des gens encore. Parce que mon objectif, je ne pourrais pas l'atteindre si... ne frappe pas aux portes en fait. Parce que je suis à un quart de mon objectif et je n'ai pas encore tout mis sur mon véhicule. Allez, vide la baraque. Ok. Donc j'espère que cet épisode vous plaît. Va vous plaire plutôt. Parce que j'ai l'intention quand même de finir ce que j'ai commencé. Donc on est à combien? Là on est à 1 sur 3, donc on va crever. 1 sur 3, on va crever. 1 sur 3, on va crever. Et 2 sur 3, on va crever. On va pas crever. Combien il me reste? 2. Ok, donc j'ai encore 2 pneus. Qu'est-ce qu'il fallait que je monte, non? Je crois. Il me semble qu'il fallait que je monte. On va se monter tout ça. Et j'espère pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire ce matin. Parce que j'ai besoin de faire cette vidéo le matin de l'heure, à peu près. Hop. On va quand même faire un petit tour au niveau du moteur. Faire les petites préparations qu'il y a besoin. Hop. Et vu qu'on peut les faire, on va les faire. Hop. Vu qu'on peut tout réparer à 100%. Donc on a consommé que 5 litres, donc il nous reste encore 25 litres. C'est quoi déjà? C'est quoi ça? Donc on va peut-être vider, ouvrir le... enfermer tout ça. Hop, la clé elle est ici, voilà, nickel. Hop. Oh, on a attaché 60 heures, non, y'a pas ça. Hop, allez, on y va, let's go. On est parti pour la suite de l'aventure sur Jalopy. On repart en direction de Vera. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis les vacances, j'ai fait beaucoup de streams, beaucoup de machins. Mais pas beaucoup de vidéos, parce que je trouve que le stream quand même c'est plus direct. C'est plus... En gros on a une réponse plus instantanée on va dire à ces questions. Tandis que la vidéo déjà je trouve qu'on a beaucoup moins de réponses et beaucoup moins rapide. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le stream actuellement en tout cas. Après la vidéo c'est bien pour faire un travail propre et posé, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère on va dire. Alors on va prendre le bouquin. Allô, le bouquin. Voilà. Alors, on va pas aller en Turquie, on va faire demi-tour et on va aller ici. Donc on a soit une station service. On va prendre celui-là. Pour éviter que ce soit trop intense quand même. Et ça risque d'être intense. Donc là, le jeu ramouille un peu. Aïe. On a quand même fait 12 000 km. 27 000 pas, 200 litres de carburant. Allez, on a 200 litres de carburant, on est pas mal. Allez, on reprend le volant. Hop, hop, hop. Direction Dubrovnik. On part en Croatie. On a déjà le choix entre monter ou descendre. Vrai que j'aurais pu voir s'il n'y avait pas des roues de secours. On s'en fout. On n'y va pas. C'est peut-être pas la bonne solution, mais déjà, on a une caisse. Ah, j'avais oublié de fermer mon coffre, mais tant mieux. Ah, merde.
24 balles, pas mal. Donc j'en ai 4, donc ça fait à peu près 100 balles. Alors là, va falloir faire doucement parce que je crois qu'on peut couler, mais je suis pas sûr. Hop. On va y arriver. C'est la première fois que je prends un type de chemin comme ça, avec de l'eau. J'aurais pu faire demi-tour et prendre l'autre route. Mais on risque le tout pour le tout. Aujourd'hui, je joue Indiana Jones. Hein. Grave, hein, parce que là, sincèrement, je flippe. Un petit peu. Mais ça va, ça tient bien. Hein, ça accroche bien la route quand même, on avance. Hein. Voilà, on y est arrivé. On est arrivé de l'autre côté. Nickel. On est arrivé de l'autre côté en un morceau. On a quand même fait 70 km déjà. Tu sais que ça fait un petit moment, je crois que j'ai pas vu d'épave, mais oh, aïe. Non, j'ai déjà des pneus qui sont morts, si en plus je dois prendre les nids de poule. Ça serait un peu tendu. Donc voilà. Donc j'espère que ça se passe bien. Là en plus, au moment où je tourne, en tout cas pour vous, ça doit bientôt être les vacances, je pense. Donc j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Donc il y a que dalle. J'aurais pensé qu'il y aurait un petit truc, mais que dalle, rien du tout, nada. Donc là on n'a rien pour donc là on peut pas ramener de cigarettes. Si on peut pas ramener de cigarettes, on est dans la merde. On a déjà fait 130 ouais, 130 km je crois, quelque chose comme ça. Ou 140. Hop. Moi je trouve quand même que c'est un bon jeu. Ce jeu est... J'adore ce jeu. Mais Jalopy, c'est un très bon jeu. Il faut savoir que quand j'aurai fini cette partie... Alors, merde, j'ai crevé. Alors, oui, j'ai crevé, donc faut aller changer la roue. Faut mettre le frein à main, bien sûr. Faut aller... Hop. En plus, j'ai... Ah, mais j'ai même pas vendu mes trucs. Oh, fuck. Tant pis.
Hop. On n'a pas perdu les mauvaises habitudes, hein. Ou les bonnes. J'en sais rien. Hop, allez, on passe entre les nids de poules. Mais ils sont où les coffres là? Aux endroits où en théorie il y a des coffres, il y en a pas. C'est quoi que ces conneries? Bon, tant pis. Non, on va faire avec. On est bientôt à Dubrovnik, 70 km. Il nous reste avant Dubrovnik. Mais j'aimerais bien voir encore un petit coffre ou deux là. Mais ça a l'air d'être tendu, hein. Parce que je sais pas. Dubrovnik, c'est Dubrovnik. Donc là, je pense qu'on va arriver à la casse. Bientôt, je pense. Hein. Là, il ne reste plus que 70 km, on n'a toujours rien vu. Donc, en tout cas, j'ai pas vu. Voilà, on arrive à la casse sur la droite, à gauche, l'autre droite. Ouais, par contre, je vais faire ça, ça, ça. Voilà, nickel. Hop, on va ouvrir ça et on va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Alors, il lui faut du carburant. Merde. Mais je crois hein, qu'il faut du carburant. What? Mais c'est quoi ce pneu qui flotte dans les airs? Est-ce Superman? Non, c'est super pété. Non, mais je suis pas. Je déconne, je déconne. Je déconne, les gars. C'est tout, c'est tout. Oh, vide pas mon réservoir non plus. Ne vide pas mon jerrycan. Il est tout neuf. D'où le machin là? Ah. J'ai tout cassé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc alors, on a ça. Ça vaut que dalle, mais c'est pas grave. On a un réservoir. Qui vaut 16 quand même, hein. Allez, hop, on repart en direction
de Dubrovnik. Alors, quelle heure qu'il est? Il est 7h du soir, je pense. Alors, espérons que j'ai pas l'obligation de jeter ce que j'avais. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui c'est que ça? Allez, hop, on met le frein, on se descend, hop. C'est bien. Par contre, je vais peut-être pas le vendre tout de suite. Parce qu'on sait jamais si il sera plus cher la prochaine fois. C'est vrai que là je parle pas beaucoup, mais j'essaye de rester assez concentré. Parce qu'on peut vite partir en vrille. Et on est arrivé à Dubrovnik. Alors, qu'est-ce qui est interdit à Dubrovnik? La douane. Du café. Est-ce que j'ai du café? Parce que je sais pas trop en fait ce que j'ai, ce que j'ai pas. En fait, non, j'ai des médocs. Saucisse, ouais. Je crois pas avoir de café. Hein. J'ai pas de café, ça c'est des clopes. J'ai pas de café, donc c'est bon. On peut passer tranquillement. C'est que j'ai jamais eu le problème d'avoir des trucs qu'il me fallait pas en fait. Que tu devais pas avoir. Je n'ai jamais eu ce problème. Ah non. Ouais, c'est bon. Ouf! J'ai eu peur hein, que ça lag. Hein. Parce que là, c'était à deux doigts de laguer. Hein. Ben, du fait que je puisse pas passer et tout. Hop. Non, tout est en ordre vu qu'il n'y a pas de... Il y a pas de café. Voilà. Hop, allez, on se casse. On va aller vendre une partie du Schmilblick et après on va aller faire dodo. Et on va se quitter là-dessus avant le prochain... Enfin, jusqu'au prochain épisode. Que moi je vais tourner tout de suite. Et que... Bah vous verrez dans le prochain épisode. Puis normalement je les ferai, je pense que je les... Je vais essayer de les mettre à une semaine d'intervalle.
Le seul truc que je vais être sûr d'être de vendre, ce sera certainement les saucisses et le sexe. Ça fait un moment que j'ai pas eu de... d'épave, on va dire. Ah, il y a des réparations à faire. On les fera au prochain épisode. Hop. Ça, on va mettre le bidon d'huile. Voilà. Le truc, c'est que le bidon d'huile, je peux les entasser et pas le reste. Donc, hop. Hop, allez. Hop. Pas tout casser. Il paraît que c'est mieux si on ne casse pas tout. Alors là, on a le garage sur la droite et le motel sur la gauche. Allez, hop. Allez. On sort de là-bas dedans. Non, on rentre. Faut que je récupère mon portefeuille. Bien sûr. What? Encore 40? Mais non, du Brovnik, ça a dû commencer à descendre dans mon théorie. Ok. Non. Pas de bol. Ok. Bon, on va être dans la 2B, je pense. Mais arrêtez, non, c'est pas possible. Je vais même, je vais être trop obligé de payer les 40 boules. Oh, fuck. Bon, on va payer les 40 boules. Hein. Tant pis. Hop. Donc, je crois que ça va faire une bonne vidéo de 30 minutes. Pourtant, c'était fait que 280 km. Hein. Mais peut-être que je coupe pas des trucs. Hop, voilà. Nickel. Donc les amis, moi je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Je vous dis ciao, ciao.